Enola, finaliste de Star Academy 2022, confie sa surprise en rallumant son téléphone, après la fin de l'aventure et adresse un gentil message à ses fans sur les réseaux sociaux. Une très belle surprise. En seulement 6 semaines, la vie de Nola, comme celle de ses camarades, a beaucoup changé. La jeune femme avait fait son entrée au château de la Star Academy, mi-octobre, encore inconnue et en ressort chanteuse, avec une sérieuse base de fans. Il faut dire que ses talents vocaux et ses efforts ont réellement impressionné, ses professeurs tout d'abord, mais aussi le public, qui lui a permis de poursuivre cette très belle aventure jusqu'à une finale, ce samedi 26 novembre 2022. Seule ombre au tableau, elle a fini par perdre face à Anisha. Me voici de retour auprès de vous. Mais Enola semble ne vouloir garder que le positif de son parcours dans le télécrochet. Dans une première story, postée sur son compte Instagram ce lundi, après avoir, enfin, récupéré son téléphone, la star académicienne de 22 ans, se dit même ravie pour sa camarade, « Salut les copains, me voici de retour auprès de vous. Je tenais tout d'abord à féliciter notre grande gagnante Anisha, cette victoire est amplement méritée. Je lui souhaite le meilleur, et suis honoré de ma deuxième place, à ses côtés, assure-t-elle, visiblement très fair-play. » Après cette gentille attention envers la jeune femme originaire de Madagascar, elle a aussi révélé avoir été très surprise en renouant avec son portable. Je ne m'y attendais pas isolée du monde extérieur durant toutes ces semaines, et Nola n'avait pas encore réellement pris conscience d'avoir acquis une très grande notoriété et d'avoir maintenant de véritables fans, je ne m'attendais pas en rallumant mon téléphone à recevoir autant d'amour et de bienveillance. Alors merci infiniment de m'avoir fait une place, au fil des semaines, au sein de votre foyer et dans votre cœur. Merci pour vos mots et votre soutien, a-t-elle confié avec émotion. Elle n'oublie pas également de remercier toutes les équipes de production, ses professeurs, les danseurs, ainsi que tous ceux qui ont partagé cette expérience unique à ses côtés. À lire aussi ça me fait bizarre, Louis s'exprime pour la première fois sur Instagram depuis la finale de la Star Academy.